Hey, salut tout le monde, ici Smash, on enchaîne tout de suite sur Canon Score les 100 anneaux. Chasse aux emblèmes, on avait pas eu le temps de le faire lors de l'épisode précédent et cette fois-ci je compte bien le faire. Avec ces deux putains d'ennemis bleus de merde là qui nous faisaient chier avec Eggman. Là on va se faire ça bien. On va faire ça yimbe. Putain d'ennemis bleus là. Ils sont horribles ceux-là. Horribles. On va se faire ça aujourd'hui, de la chasse aux emblèmes, et après l'épisode prochain, ce sera peut-être de la course au Shao. Pourquoi pas? Ou peut-être de la course de cartes ou du combat de boss, je sais pas. Combat de boss, ça changerait un peu, tiens. Allez hop. Au calme. Quand ils sont tout seuls, ça va. Faut se les faire facile. Par contre, dès qu'ils sont deux, les ennemis rouges là, enfin bleus. Ok. Ça c'est fait. Allez, la partie chiante. Très bien. Non, 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 non. Oh là 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 là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah, ils sont là-haut. Ils sont là-haut, les enfoirés. Ils sont là-haut, les gros teubés bleus là. Putain, mais eux. C'est un truc. Mais putain! Mais pourquoi ça redescend? Ah, ça va me saouler. Faudrait une protection, quoi. Faudrait vraiment une protection. Parce que là, ça saoule. Ça va. Là, faudrait une protection. Parce que là, les deux, ils sont compliqués à passer. Hein. Tout seul, on peut se rapprocher d'eux, leur mettre un coup de poing, là. Enfin, un coup au corps à corps avec le robot. Il n'y a pas d'anneau par là. Hein. Là il est tout seul, on va le défoncer, voilà. Mais dès qu'ils sont deux, s'approcher d'eux c'est compliqué. Bon, j'ai loupé un petit anneau, c'est pas très grave. Voilà. Ok, allez, on recommence avec Robotnik. Bon, allez, ils sont là-haut, les deux gros cons. Ah mais... Putain, il casse les couilles. Mais il casse les couilles, putain. Je vais aller comme ça. En plus, il y a encore 20 anneaux derrière. Putain, on aurait été bien, quoi. Thank you.
Ah là là, je suis dégoûté. Bon, on va continuer comme ça, on en a 60, c'est pas trop mal. Mais sérieux, ça me blase. On évite de se prendre des lasers. Et dommage, c'est pas des anneaux. Ah ! Putain ! Ils sont ceux-là, mais... Ah, on avait 86 anneaux. Putain, j'en avais 86. On va voir, on va se taper un vieux rang. Ah là 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 là. Cette mission, elle est casse-couille. Hein. En fait, il y a trop d'ennemis, quoi. Ok, bon. Si je fais le treasure scope ici. Que dalle. On y croit. Et le chaos perdu, ça va être compliqué aussi ici. Hein. Ok, 65 et on enchaîne avec Knuckles. Allez! Trop marre de perdre du temps là, ça fait 8 minutes qu'on est sur le niveau. Ah là là là. Au pire on se le fera à la fin ce niveau, j'en sais rien mais... C'est vrai que là ça saoule. Hein. Bon. Bon, ça va le faire ou quoi? Il y a plein d'anneaux là. Putain, enfin. Bon, on a l'emblème, on va avoir un sale rang tout pourri, les amis. Rendez. Ouais, ouais, génial. Bon, on a fini les 100 anneaux. C'est déjà bien. 69 emblèmes. Et on enchaîne avec le chaos perdu. Alors, on va enchaîner tout de suite. Trouver le chaos perdu, ça va être la mission 3 de tous les niveaux. En fait, il va falloir qu'on trouve dans un niveau, en gros, la petite ruine où on peut utiliser la mélodie mystique. Et c'est souvent, c'est tout le temps cette ruine-là qui va nous permettre de trouver le chaos perdu. Voilà comment ça fonctionne. Donc la première fois que tu arrives dans le niveau, tu sais pas trop qu'il faut utiliser ce pouvoir là. Tu cherches partout, tu trouves pas. Et au final quand tu sais ça, c'est la même logique dans tous les niveaux, donc ça va. Il y en a certains qui sont assez bien planqués, mais en général ça va. Seul critère important dans la mission du chaos perdu, le temps. Donc il faut juste se dépêcher. Je sais où se trouve la ruine dans ce niveau, je m'en souviens. Hop. Donc là on enchaîne tout. C'est un peu plus agréable parce qu'on peut se faire toucher tout, on n'a pas besoin de ramasser masse d'anneaux.
Bon, même si en ramassant des anneaux, on économise des thunes pour notre Shao. Do you follow me? Oh yeah! Let's go! Allez! Alors, le premier souvenir, la petite ruine, elle est juste après le passage où on descend tout le mur là. Ah, et juste après ce passage. Hop là, let's go! D'ailleurs, il y a même un pouvoir à récupérer. On va peut-être le récupérer, le pouvoir, en même temps. Ici, il y a un pouvoir à récupérer, les amis, regardez. Hop, je vous montrerai ça plus tard. En gros, on peut réduire les ennemis en boule, c'est assez bizarre. Voilà la ruine. Faut la trouver quand même, hein. Ça fait apparaître un ressort et hop. Ah, il fait de la flûte Sonic comme instrument, quoi. C'est marrant. Il y a tout un truc à monter. Non. Évidemment, dès que tu tombes, tu te retapes toute la montée. Ok. On entend les petits pleurs, écoutez. On entend le Shao qui pleure. Et voilà, le Shao est ici. Et on va dessus et on le retrouve. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le rang A? Rang B. Ok, on aurait pu aller plus vite. Ouh, 4444 anneaux au total. Ok, un emblème en plus. Et voilà, on va en faire quelques-uns. Alors, je sais plus exactement où ils se trouvent à chaque fois, mais bon. Ok, let's go pour Radical Highway. Ça, je me souviens à peu près où elle est. Elle est sur un pont suspendu, la ruine. Donc, on va se dépêcher. Ok. On enchaîne. Hop. Quelqu'un qui m'appelle. Flemme. Je suis en train de jouer à Sonic là. C'est plus important. Laissera un message si c'est important. Faut qu'on trouve le Shao perdu, nous. Hop là. Parfois, ils sont quand même bien planqués, parfois, les ruines, là. Je sais pas comment on appelle ça, des sortes d'hôtels. Ouais, c'est des hôtels, on va dire. D'accord, super. Hop. Ok, jusqu'ici ça se passe. Ouais. Voilà, alors. Petit passage là, hop là, au calme. Oula, bon. Alors voilà. Et il va falloir monter, les amis. C'est stylé quand même, la rampe. Wouhou! Ça, je kiffais faire ça quand j'étais plus petit. Quand j'étais jeune, je faisais. Oh là là, genre. Shadow, il fait de la glisse. Et. Hop là! Voilà où est cachée la ruine. Quand même, hein. Ça fait apparaître deux plateformes et on peut rejoindre le Shao perdu qui est ici. Et voilà! Bonne chose de fait. Rang A, très bien. Impeccable. On aurait pu aller plus vite, je pense, largement. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. 71 emblèmes.
Allez, on va faire ça. Avec Robotnik, allez. Alors, je sais plus où c'est ça. Je sais plus où est le chaos perdu dans cette mission. Ah, si, je crois que je me souviens. Il y a les souvenirs qui remontent petit à petit, les amis. Ma vie de gamer qui me revient. On se dépêche, on se dépêche. Pas le temps de niaiser. Pas le temps. Allez, ça c'est chiant ces passages-là. Quand t'as une mission où tu dois aller vite et que t'es pris dans des phases comme ça, toutes lentes. Ok, let's go. Et on avait déjà chopé ce pouvoir-là, non? Ouais, on avait déjà chopé. Ok, je vérifie quand même au cas où. Voilà, c'est par là, il me semble. Voilà, c'est ici. Hop! Ah! Je suis tombé. Ah, je peux pas remonter. Hop, on va se suicider. Je suis tombé. Fallait pas tomber. Tomber, c'était pas le bon plan, là. Heureusement, on revient à peu près au même endroit. Les câbles. Allez. Ok. Hop. On monte. Avec carrément une zone cachée. Ok, par contre, alors là. Ah. Encore une petite ruine. Un ressort. Les plateformes. Putain, ils ont mis toute une épreuve là. Et le chaos perdu est là. Et voilà. Impeccable. 2 minutes 16. Est-ce qu'on a le rang A? Rang C? Ouh. Ah là, faut aller vraiment super vite quoi. Ok. Bon, au moins on a l'emblème. Tadadam. Allez, on va faire Pumpkin Hill. Let's go. Avec le petit knuckle rap là. Knuckles. Pumpkin Hill, you ready? Alors. Je crois que c'est là-haut où faut aller. Ouais, regardez, on arrive pile en face. Regardez, c'est pas beau ça. Plateforme. Knuckles, c'est plutôt à l'aise pour la plateforme vu qu'on peut voler. C'est classe. Et le chaos est au bout. Impeccable. Allez, on a mis 39 secondes. Obligé là, mon gars, tu nous donnes le rang A. Allez, allez. Pas ta pute. Ouais. Rang A, c'est parfait. C'est cool, on rattrape un peu le retard qu'on a pris sur Canon Score. D'ailleurs, j'ai pas hâte de trouver le chaos perdu dans ce niveau, le dernier niveau là. Allez, Aquatic Mine, encore un niveau Knuckles. Zou. En général, je me souviens bien où sont les ruines, là elle est ici.
pète tous les wagons. Alors. On entend les pleurs du Shao. Il pleure le pauvre. Et voilà, 38 secondes. On a mis le même temps, à peu près. Ça, c'est bon. Boum ! Rends... Ah, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire ? Bon, c'est cool, c'est cool. Ah, putain, refaire ce jeu à 100%, c'est que du plaisir pour moi. Bon, vous, ça doit être un peu plus compliqué. Je vous emmène dans le jeu de ouf. Allez, Wild Canyon avec Knuckles encore. Putain, je sais pas pourquoi, je prends que les niveaux Knuckles. This is Knuckles. Alors, où il faut aller cette fois? Alors là, je sais plus exactement où il faut aller. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre ce niveau. Ouais, c'est peut-être ici. Ah. J'adore les petits téléporteurs là, en mode zzz. Avec un bruit d'appareil photo, ça fait limite. Elle est là. Impeccable. 42 secondes. Très bien, très bien. En B. Oh, on aurait pu aller plus vite. Le truc, c'est que les niveaux avec Knuckles, dès que tu sais où se trouve la mélodie mystique, après tu peux vraiment y aller en speed, en mode... Comme c'est des niveaux ouverts qui sont grands mais sans plus, quoi. Et tu les traverses assez vite quand même. Est-ce qu'on se ferait pas Death Chamber. C'est, on se débarrasse des niveaux Knuckles, comme ça on est bien. Je me souviens à peu près où c'est aussi. Boum, toi t'es mort. Voilà, alors. C'est quelque part par là. Je m'en suis rappelé, parce qu'on l'a vu quand on a fait les sans anneaux. Voilà, c'est ici. Pour ceux qui ont eu le sens de l'observation. Et c'est tout un passage sous l'eau. Vu qu'on respire sous l'eau, on s'en fout un peu. Très bien. Donc il y a un sablier. Il va falloir arriver à la porte avant que le sablier se termine. La porte est de l'autre côté. Là, Knuckles, il nage un peu bizarrement parce que je suis en train de tapoter la touche B. Regardez, où la porte s'est tendue. En tapotant la touche B, Knuckles nage un peu plus vite et en tout cas, c'est beaucoup, il est beaucoup plus stable. Ah, les fantômes, ils sont bloqués dans l'eau, c'est mignon. Ah, il me semble que le Shao perdu est par ici. Ah. Je sais plus ce qu'il faut faire là. Je sais plus trop ce qu'il faut faire là. Ah, la porte est au-dessus, ok. Ok, ok, ok. Yes! Pas forcément facile à faire rapidement, ça. 2 minutes 21, est-ce qu'on a le rang A? B, ok. C'est pas mal. Ok, ça fait 25 minutes, on va s'arrêter là. 76 emblèmes, pas mal. On a bien carburé aujourd'hui. On a bien carburé. Ok les amis, voilà. Vous voyez, on commence quand même à avoir pas mal d'emblèmes. On va se retrouver demain pour
continue la chasse aux emblèmes. Alors peut-être du Show World, ou peut-être du mode boss, ou alors de la course de cartes, je sais pas. Voilà, je vous dis à demain, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu de soutien pour faire plaisir. Et voilà, on se retrouve demain. C'était Smashou. Bye tout le monde.